Aujourd'hui, au niveau économique, il n'y a aucune raison d'aller produire à l'étranger ce dont on est capable de faire ici. Les conseils stratégiques de filière qui ont été mis en place sont aujourd'hui pilotés par les grandes entreprises. Or, on demande en fait à ceux qui ont désindustrialisé de réindustrialiser. La stratégie de nos outils de production est bien trop importante pour laisser ça au patronat. Les meilleurs experts, c'est les salariés. Et pour s'approprier les moyens de production, la première chose à faire, c'est de s'emparer de la stratégie du développement de ces moyens-là et de montrer aux salariés que c'est possible. Depuis plus de 20 ans, les politiques industrielles françaises se limitent à la distribution de milliards d'euros d'aides publiques sans exiger de contrepartie. Dans la même logique libérale, les réformes de l'action publique encouragent la construction d'une économie locale au service des entreprises et des intérêts privés, au détriment de l'intérêt général, du principe d'égalité et engendrent des disparités. Si la crise sanitaire a révélé l'échec de ce système, la CGT dénonce cette dérive depuis longtemps et elle a construit au fil des années un véritable plan de rupture au travers des luttes dans les entreprises, les services publics et les territoires. On a commencé l'histoire de la reconversion de la centrale de Cordemais en 2015. Dans l'optique d'une économie circulaire, on a été chercher les déchets et est né EcoCombust avec les salariés, avec la CGT depuis le début et depuis 7 ans en soutien. On remplace le charbon par les déchets de meubles qui sont mis en déchetterie, qui sont voués à enfouissement. On les valorise, on en fait des pellets et ça remplace très facilement le charbon dans notre centrale de production, mais aussi ailleurs pour du chauffage urbain. Donc Veralia, c'est une entreprise qui était au départ sous le giron de Saint-Gobain et qui a été vendue donc en 2015. Saint-Gobain nous a vendu à Apollo. Donc nous, de suite, on est parti à faire un projet CGT. C'est le projet Jéroboam. Il porte différentes revendications. Donc des revendications sur l'actionnariat, des revendications sur la gouvernance de l'entreprise, un projet industriel et un projet social. Concrètement, c'est de pérenniser les sites de production partout en France, et en Europe et dans le monde, et d'avoir la possibilité de produire ce dont on a besoin à proximité de nos clients. Alto, c'est le premier fabricant de chips en France. Notre outil de production arrive à saturation. Le projet de la CGT Alto, c'est de justement proposer une alternative à nos actionnaires, de pouvoir moderniser et agrandir notre site actuel. Les salariés sont là, les agriculteurs sont là. On a déjà, on va dire, notre approvisionnement qui est fait. Donc, pourquoi on irait ailleurs et même pourquoi on irait en face? Donc, nous, notre idée, c'est de gagner de la place en déplaçant notre station d'épuration sur le terrain en face. Et comme ça, ça nous permet de faire une troisième zone, donc c'est-à-dire une zone où on peut encore remettre des friteuses et des ensacheuses, et on gagne la place nécessaire à l'augmentation de capacité de Saint-Jean. Suite à la pandémie, le gouvernement a débloqué 100 milliards d'euros pour son plan de relance, mais il poursuit sa politique libérale. En opposition, la CGT déploie au quotidien la construction de projets alternatifs avec les salariés et en s'appuyant sur la capacité d'agir de l'organisation syndicale à toutes les échelles et de manière coordonnée. D'un côté, on avait des chômeurs. De l'autre côté, on avait un besoin extrêmement urgent et important en effectif dans les hôpitaux publics. Ce qu'on disait, nous, c'est qu'immédiatement, on a un besoin urgent déjà d'ASH. Ce sont des agents qui peuvent être embauchés sans qualification, qui sont formés à l'hôpital et qui peuvent ensuite donc partir à l'école d'aide-soignants, à l'école d'infirmiers, ce qui nous a donc amené à tenir ce fameux bureau d'embauche le 2 février sur le parvis de l'hôpital Pasteur. Et on a été nous-mêmes surpris par la quantité de gens qui se sont présentés spontanément ou de gens qui ont dit qu'ils viendraient parce qu'on a récupéré des CV en amont. La CGT a réussi à imposer, au bout de 10 ans de travail, un projet qui fait partie du contrat de filière. Il en est désormais le pilote, pour le faire sous forme de société coopérative d'intérêt collectif. À but donc non lucratif, on va pouvoir mettre dans le capital de cette structure à la fois l'État, les collectivités territoriales, mais aussi des acteurs privés et définir une gouvernance innovante où ça sera pas celui qui va amener le plus d'argent qui va gouverner, mais c'est bien l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par cette filière qui vont définir ensemble une gouvernance dans l'objectif de recréer la filière. Il a fallu contraindre à chaque fois toutes les étapes, que ce soit EDF, que ce soit le ministère, par la grève,
pour justement les mettre sur la table et leur dire que de toute façon, nous, on a décidé d'avancer, donc il faudra faire avec nous. La ministre lance un appel à projet pour faire, au niveau de la France, une filière de production de ces pellets, sur lequel elle incite justement dans ses propos EDF et les porteurs d'éco-combustes à postuler là-dessus, et donc qui pourra nous permettre de construire cette usine sur le site de Cordemais et pour nous permettre de pérenniser les emplois. Il n'y a pas que la grève, il n'y a pas que la manifestation. La CGT dispose d'un ensemble d'outils qui, mis bout à bout, en convergence avec les autres structures et les autres syndicats CGT, on est en capacité de faire bouger les lignes. On est au moins en capacité, en tout cas, de faire passer les messages revendicatifs que nous portons. Ces luttes sont des points d'appui pour démultiplier les expériences à travers l'ensemble du territoire et dans les filières pour faire vivre un véritable plan de relance industrielle et de développement des services publics. L'ambition est de porter au quotidien, à travers ces luttes, la construction du monde d'après, plus juste et plus humain.